Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec la boss Myriam. Salam, salam. Aujourd'hui, on va manger toutes les lettres de notre prénom. Je vous explique. Un concept incroyable. On va manger les lettres de notre prénom. Je m'appelle Younes, elle s'appelle Myriam. Explique-leur, Myriam, s'il te plaît. Bah, par exemple, Myriam, le M, par exemple, mangue. Mangue, melon, etc. C'est-à-dire, moi, Younes, je peux manger du. Chaque lettre de notre prénom, ça doit être un aliment. Voilà, c'est ça. On va au magasin, je pense que vous avez compris. Vous n'êtes pas des débiles. Vous n'êtes pas des débiles, vous n'êtes pas des débiles quand même. Vous êtes débiles, vous n'êtes pas des débiles. C'est pas... par moi, en vrai, je vais commencer par le M. Du coup, c'est la première lettre de mon prénom. En vrai, melon, 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 melon. Non, 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 pas de melon, pastèque. Non, pas pastèque. Des mochis, venez voir, venez voir. Ok, alors. Ah, mais t'as le droit qu'il y a un aliment par contre, hein, je te préviens. Quel entre les trois? Alors, on a quoi? On a mochi au chocolat, mochi à la vanille, mochi à la mangue. En vrai, tu prends ce que tu veux. Et t'en as le droit qu'il y a un, pas les trois. Vanille citron. Vanille citron, ok, on passe au Y maintenant. Deuxième lettre de mon prénom, c'est Y, mais en vrai, il y a yaourt, mais yaourt, c'est trop banal. Du coup, j'ai décidé de prendre des. Yop, on est venu direct au rayon. Par contre, on a yop à la fraise, yop au chocolat et yop aux fruits. Tu poses vraiment la question là? Tu vas prendre au chocolat. C'était sûr, les mecs. Ok. Il faut le secouer avant l'utilisation. Maintenant, lettre R. Riz. Riz? Ouais. Tu vas manger du riz? Bah, t'inquiète, t'inquiète. Regarde, je vais te montrer, je vais t'expliquer. Attends, là, on n'est pas au rayon du riz là? Bah, on est au rayon sushi. Eh, mais elle est trop intelligente, regardez. En mode, c'est du riz. Ok. Du coup, par contre, t'as le droit de prendre une seule boîte. Ça, ça sert à rien, tu vois. Jamais. Oh là là, mais ça. Je peux tout finir, moi. Non, arrête de manger. Je finis tout, je te dis, je finis tout. T'es chaud, un jour on teste. Ouais, t'inquiète, je finis tout. Vas-y. Ils ont inventé des nouvelles choses. Ça, mais en vrai. Ah, skip, c'est bon au Japon. Tu veux au Japon, ils mangent que ça. Ouais. La sauce, ça, tu trempes. Mais vu que je te connais, je sais que tu vas prendre un bail comme ça, là. Là, il y a bien du riz. Oh, c'est quoi ça? Crevette en pot. Oh là là, la dinguerie. Y a pas de... Eh, eux, ils sont trop fortes. Ils sont trop fortes. Oh là, ils font des recettes incroyables. En vrai, j'ai... Tu as choisi des sushis ou une voiture? Une Ferrari. On passe à la lettre I. En vrai, il y a iguane. Je vais manger de l'iguane. Mais de l'hirondelle aussi pendant que tu y es. Flottante. Vas-y, île flottante. Et c'est trop une bonne actrice. On est déjà devant le rayon. Elle fait genre île flottante. Ouais. C'est ça une île flottante? Ouais. Fais voir. Ah oui. Vous êtes sûr, les gars, que c'est ça? Je te fais confiance. Hein. Bah oui, c'est une île flottante. Parce que regarde, genre, il est flottante parce qu'ici, il y a des trucs qui flottent autour. On passe à la lettre Z. Ah, qu'est-ce qu'il me baragouine? Ah, c'est la A. Pour la lettre A, les gars, j'ai un plan. À ton avis, c'est quoi? Abricot, amande. N'importe quoi, vas-y, toi. Arrête de me sortir des abricots. On va prendre un produit de la lettre Auchan, la sous-marque. Ah oui, la marque. C'est vrai, elle est intelligente celle-là. C'est normal, c'est ma petite sœur. Hein. Mais par contre, là, je vois que des Kinder, il n'y a pas de sous-marque Auchan. Ah, regardez comme elle est intelligente. Regarde. Vous voyez ça par exemple? Auchan, elle peut prendre. Non, ça, c'est Duplo. Duplo, c'est une marque. Respecte Duplo, frère. Je vais t'aider, regarde. Auchan. Ça, tu peux, regarde. Quoi? Tiens, ça, tu peux. Tu peux ça. Regarde, Auchan. Je veux chocolat. Tu prends ça. Du coup, il te reste une dernière lettre, c'est le M de Myriam. M. Mawam. Mawam. C'est des bonbons. C'est ça ton repas? Mais c'est une malade mentale, les gars. Elle va prendre des Mawam. C'est quoi Mawam? Ah ouais, Mawam. Ah, mais là, t'as que des trucs sucrés, t'as rien en salé, t'as que les sushis. Hein. T'inquiète. En vrai, tu m'aurais conseillé ceux-là, c'est un mix de tout, ou alors les comme ça? Moi, je t'aurais conseillé les comme ça, c'est une valeur sûre. Ah ouais? Ouais. Parce que dedans il y a des comme ça, sauf qu'il y a des nouveaux comme ça, regarde. Bah, c'est toi, prends ce que tu veux, c'est toi qui vas manger, c'est pas moi. Allez. Pourquoi tu me demandes mon avis si tu m'écoutes pas? Je sais pas. Moi, on va manger les lettres de mon prénom, c'est parti. On va juger ce qu'elle a pris, on va voir si c'est bon ou pas. Alors, tu commences par quoi? Le M, les mochis, du coup, j'ai pris ça. Donc, M pour Myriam, pour les mochis. Mais désolé, Yassine, on t'a pas appelé parce que toi, il y a pas K dans ton prénom, Kinoa, on t'a pas trop appelé. C'est pas K, c'est Q. Ah, qui... ouais, désolé, il y a pas de. Oh, ça a l'air grave, c'est des mochis à la passe. Non, c'est pas à la pêche. Eh, hey, Yassine, wallah, hein. Wallah, le rayon sushi à Auchan, c'est une masterclass. Ils ont mis grave des nouveautés, il y a grave des gens qui achètent. Et ils ont tous le même profil, soit des petites comme Myriam, ou soit des jeunes comme toi en fille. Ils achètent que ça. C'est gluant. Ouvre à l'intérieur pour voir comment c'est. C'est gluant, regardez comment c'est gluant. Ah. Elle m'a dit en mode mochi, je veux des mochi. J'ai déjà goûté des mochis dans ta vie? Ouais, c'est de la pâte à modeler. Toi, t'aurais pris quoi pour la lettre M, Yacine? Du McDo. Non, c'est là, on peut pas. Du merguez. Non, des frites McCain. McCain. Ah ouais, j'avoue, il aurait pu prendre des frites, c'est vrai. Alors, Mimi? C'est citron. Aïe, 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 aïe. Ouais, Stéphanie. Oh, la dinguerie, elle a pris citron. Aïe. Non. Par contre, tu seras obligé de les manger parce qu'ici, zéro gaspillage. Du coup, pour le I, t'as pris quoi? Non, Y, Myriam, c'est un Y après. Ah, c'est pas un I? Je sais même pas comment elle s'appelle ta sœur. On va faire passer ça avec du yop. Elle a pris yop, il y avait goût fraise. Ah, Y, elle a pris yop. Ouais. Ok. Elle avait goût fraise ou alors goût citron, elle a pris chocolat. Mais non, mais le yop, faut jamais prendre chocolat. Le yop, faut prendre toujours goût fraise. Vas-y, toi. Il a raison, fraise. Tu sais, on prenait que ça quand au ramadan, 4h bah, du matin. Ah oui, là, le yop au chocolat, c'est vraiment. Verse-le dans le verre pour voir la texture, c'est comme du Nesquik. Ah, on dirait grave. Non, je pense elle va kiffer. Du candy yop, t'as vu candy yop? Je pense elle va kiffer. Bois de la droite. Sinon, Chétan, il boit avec toi. Vrai de vrai?
C'est incroyable, c'est un banger au chocolat. Genre, ouais, j'ai jamais goûté à la fraise, mais j'ai jamais goûté aussi c'est au quoi, chocolat. C'est quoi, c'est plus du lait, plus du yaourt. C'est plus du yaourt. Ah, ça sent le candy up. Oui, ouais, voilà, le candy up. Voilà le candy up Nesquik. En fait, c'est entre le chocolat chaud et entre le lait. Et là, par contre, tu vas pas comprendre, je sais, pour le R, elle a pris des sushis. À ton avis, pourquoi? Sushi, dans les sushis, il y a du riz. Ah, je joue sur les mots, là. Non, toi, t'aurais pris quoi pour le R? J'aurais pris des ramen. Ah oui, des ramen. Des ramen. C'est les japonaises qui graillent. Ah ouais, mais non, là, je joue sur les mots, là, par contre. Je te dis, gros, le rayon sushi à Auchan, c'est tout le monde mange ça, maintenant. Tu sais ce qu'ils ont fait, là, les démos crevettes, je sais pas quoi. Ouais, ils ont fait rizol comme dans les restaurants. Les meilleurs sushis, c'est ceux au saumon ou ceux avec... Non, c'est ceux-là. Les crispites, là. Ceux-là, les crispites, là, Yacine, c'est trop. Franchement, c'est une sauce. Avec la sauce samouraï. Ouais, il y a une sauce samouraï dessus. C'est samouraï, qu'est-ce que vous racontez, vous deux, là? C'est quoi alors? Pourquoi c'est la sauce du grec? Et tu manges des avocats, il y a des avocats dedans aussi. Hein. Je sais. Elle kiffe, moi j'aime bien parce que c'est équilibré pour elle. Si elle aime bien les sushis, ça fait plaisir. Je préfère ça qu'elle mange des burgers. Ok. Tu vois, elle mange ça en une gorgée. Et t'en as mangé hier, t'en remanges aujourd'hui. Tu pourras manger tous les jours? Elle kiffe trop. Mais pourquoi Oh là là, Sofiane, il va t'insulter, notre cousin, t'as pas pris de sauce. En plus, c'est gratuit. Et les baguettes. Ah, la sauce. Ouais, rouge, t'as, là. T'as eu la sauce gratuite. Soja, là. Ouais. Mais c'est pas gratuit, ça. C'est si, payé, c'est gratuit. C'est gratuit. Ah, bien. Les baguettes aussi, c'est gratuit. Mais j'ai oublié. Mais pourquoi t'aimes les sushis? Dis ce que t'aimes bien dans les sushis. Ça glisse déjà dans la gorge. En plus, c'est pas genre t'en manges un, t'es calé. Genre, c'est incroyable, c'est pour ça. Et le goût, en plus, c'est la sauce et les crispies qui font la différence. Ok, en plus, c'est des mamans comme des mamans qui font sauf. C'est des... sans sauce et sans crispies, c'est pas bon. Bah, si. Et moi, je préfère mon combo, c'est ton avocat. Est-ce que tu sens l'avocat quand tu manges? Bah oui. Tu sens tous les ingrédients? Passe à la prochaine lettre, le I. Île flottante. Mais c'est pas ça, des îles flottantes. C'est ce que je lui ai dit, Yacine, elle m'a dit si, regarde, montre-lui. Mais wow. Elle m'a dit, là, il y a 4 îles et elles flottent, c'est des îles flottantes. C'est avec de la crème anglaise. Oui, bah un sorte de flan qui flotte sur la crème anglaise. Ouais, elle dit que ça, elle dit que ça en mode, c'est des îles flottantes. Bah oui, 4 îles qui flottent. En vrai, sur le principe, elle a peut-être raison. Ouais, c'est vrai, elle a peut-être raison, vas-y, Myriam, tape. Tu vas goûter ça. Et il y a que dans les vidéos qu'elle a le droit, je vous promets, sinon c'est impossible. Ça, t'aurais bien aimé goûter, Yacine, dis la vérité. Non, ça me dégoûte. À ton prime des gros. En fait, non, parce que la crème blanche, ça me dégoûte. Non, c'est de la crème pâtissière. Ouais, mais c'est écœurant, il y en a trop, en fait. Ah ouais? Ouais. Okay, regardez, elle est au pays des rêves, c'est une dinguerie. Oh là là, oh là 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 là. Oh là 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 là, je vous ai dit. Elle a pas un malaise parce que c'est à ce point-là. Attends, on va voir. On va sentir. Ah ouais, ça sent les. Ouais, dans la goûte, boulangerie. Goûte, vas-y, goûte, t'inquiète, ça va rien te faire. Goûte. Goûte. Ouais, dans la boulangerie, les pâtisseries qui sont à côté, ça sent ça. Mais attends, mais ça veut dire que moi je suis un enfant alors. Non, j'ai rien dit, pardon, va faire ton autre repas. La lettre A. Ah, j'ai pris la marque Auchan. C'est un œuf en or. Ouais, c'est un œuf en or. Bah, pourquoi ça marche la marque Auchan, Yacine? Mais comment ça, la marque Auchan? Mais ça commence par A, la sous-marque Auchan, Auchan, regarde. Auchan. Mais c'est 3 œufs surprise au chocolat. Oui, mais c'est la marque Auchan. Ah, bien. Toi, t'aurais pris quoi pour la lettre A? Il y a plein de choses. Il y a ananas, il y a. Ah, pour ça, les gars, je peux le revendre sur le bon coin, 1000 euros. Il y a A. Non, c'est pas du vrai or, c'est du papier. Ah. Artichaut. Non, j'arrive. Aubergine. Si à présent, mettez votre prénom en commentaire que peut-être on le fera pour la prochaine vidéo. Mais non, on a qu'à faire code familial, comme ça on le fait à 3. Ah ouais, code. Bah, en vrai, mettez vos prénoms et on va voir ce qu'on fait. Donc, attends, la contrefaçon. Non, jouet, la contrefaçon des Kinder. Ouais. Alors, regarde le jouet comme si c'était un enfant. C'est quoi ça? Goûte Mira pour voir si c'est le même chocolat. Ah non, mais je suis pas d'accord. Regardez les jouets qu'ils donnent. Ils ont. Oh là là, c'est quoi ça? Attends, fais voir, arrête de bouger. C'est pour les voitures. Arrête de bouger. C'est pour les voitures. Ah, c'est un truc mignon, c'est éclaté au sol. Bien. Moi j'aurais préféré le chocolat blanc. C'est quoi ta partie préférée toi? En vrai de vrai, c'est le chocolat blanc. Dernière lettre de son prénom, le M. Les Mawam. Ah, ça c'était sûr ça. Elle kiffe ces bonbons là, les Mawam, elle les surkiffe. Non, franchement, moi qui déteste les bonbons, ceux-là c'est les meilleurs. Moi je te conseillerais de tester dans ouvre les Mawam. Ouvre tout, mets tout sur la table pour voir tout ce qu'il y a. Ouais. Oh là 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 là. Eh, dans les Mawam, les meilleurs trucs, c'est quoi les meilleurs trucs? Je prends pas les autres comme ça parce qu'il y a des nouveaux. Mmh. C'est quoi les meilleurs trucs dans les Mawam? En vrai, les meilleurs trucs dans les Mawam, c'est les trucs comme ça. Alors regarde, je me suis dit. C'est quoi ça encore? C'est comme des chewing-gums. C'est pas ça les meilleurs trucs au coca? Des bons Mawam. Par rapport à la note de Myriam, je vous dis la vérité, il n'y avait pas trop de salé, il y avait pas du tout de salé même. Il n'y a que les sushis, À part les sushis, donc j'ai trouvé que ça, c'était un petit peu trop sucré. Je mettrais la note de 7 sur 10. On va maintenant se retrouver avec Younes, on va voir s'il va faire mieux. C'est parti. Le meilleur prénom, vous savez, c'est Younes Y. Alors moi, on va prendre des yaourts. Sauf qu'on va prendre les yaourts de la richesse. Ceux-là, ils sont incroyables, regardez. La laitière, les gars. La laitière. C'est trop un truc de riche, ça. C'est trop un truc de riche. Mais la crème aux œufs. Chocolat. Non. Moi, c'est bon, les gars, premier yaourt, la laitière, chocolat, c'est incroyable. Ouais. On passe à la lettre O. Et vu que Madame Myriam n'a pas pris de boisson, moi, je prends une boisson. J'ai pas envie d'avoir la gorge sec. Le ramadan, c'est fini. T'as Orangina, regarde Orangina. Oasis Tropical. Pourquoi t'achètes pas l'Oasis Pomme Cassis? Non, j'ai pas envie, je préfère l'Oasis Tropical. Le U de Younes, j'ai inventé, enfin j'ai pas inventé, c'est Myriam qui m'a aidé. Uber Eats. On a le droit Uber Eats, hein. Ouais. On passe à la lettre N après le Uber Eats. Nesquik, bien évidemment. Incroyable. Ceux-là, des billes de chocolat avec du chocolat blanc en bas. Tu manges ça, tu.
Pour le E, nous avons pris de l'escalope, volaille française, c'est très important. De manger des protéines à chaque repas pour avoir des muscles comme moi. Si tu manges pas de protéines, tu vas avoir que du bide et non, on veut pas. Il y a mon pote, je vais lui demander si ça va, viens voir. Younes dans son état naturel. On arrive à la dernière lettre de mon prénom. J'aurais bien aimé prendre un bon dessert et une bonne glace, ça fait longtemps. Le Saint-Génix. C'est dans Astérix et Obélix. Attends, c'est quoi? Non, 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 s'il y en a beaucoup, regardez, quand il y en a beaucoup comme ça, personne n'achète, c'est pas bon. Ah, Scookie, des Scookies. Ouais, c'est vrai qu'on a tout faire avec lui, venez voir. Fais voir. Pour la peine, tu m'en passeras un. Sneakers white, attends, mais il y a les sneakers white ou alors on a les sneakers non, basiques. Non, non, il n'y a pas de débat, tu prends les sneakers. À moi de manger, les gars, tout est ouais, là. Tu m'en laisses. Bah non, toi, tu m'as laissé quelque chose, toi? Ouais, je t'ai laissé un profiterole. N'importe quoi, tu m'as rien laissé. Donc là, tu vas filmer tranquillement et je veux pas t'entendre. Les gens, ils ont des humains à côté d'eux. Moi, j'ai de la boue. Donc, on commence par les lettres Y qu'on avait dit yaourt. Myriam, pour reconnaître des bons yaourts, comment on fait, à ton avis? Et vous aussi, répondez dans votre tête. Je prends la laitière. Non, non, non. Pourquoi c'est un bon yaourt? Regarde bien l'emballage. Pourquoi? Parce qu'il est en or. Parce que c'est des yaourts qui se vendent par 4. Il y a des yaourts, ils se vendent par 20. Ceux qui se vendent par 4, c'est-à-dire c'est la richesse. Il n'y en a pas beaucoup. Pas de famille les achète parce que dans la famille, on est 6. Tu vas pas acheter ça alors que t'es 6. Personne peut... Il y en a 4 qui vont manger, 2 qui vont regarder. Donc, ça, les amis, quand je dis c'est la richesse, le goût, il est incroyable. Waouh, aïe 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 aïe. Il faut bien avoir tout le goût. Tu vois, là, t'as une bonne cuillère. Bismillah. La laitière. Je sais pas si tu m'entends, mais ta recette, elle est trop trop bonne, les gars. C'est un des meilleurs yaourts au monde. C'est quoi ton meilleur yaourt, toi, Myriam? Mon meilleur yaourt, personnellement, c'est la laitière, mais à la vanille. Mais t'as pas le droit de recopier, j'ai un autre. Ben non, c'est à la vanille, moi, c'est la vérité. Moi, j'ai pas fait l'erreur, les gars, j'ai de la boisson. Et j'ai un verre. Alors, j'ai sélectionné du Oasis parce que en haut, il y a Orangina, mais Orangina, j'aime pas trop. Moi, j'aurais pris Orangina. Y'a que Orangina ou Oasis en vérité. Hein. Et du haut, je vais boire du haut. Et t'aurais pu prendre Otakos. Non, je suis trop bête. Bah non, si on fait code familial, dans O, il y a O. Et c'est moi le prince pour Otakos. Ah bon, Oasis, bismillah. Seuls ceux qui ont fait le ramadan, ils se rappellent quand c'était la journée et t'avais soif, tu pouvais pas boire, Ibala. Cette boisson, je lui mets 10 sur 10, et plus particulièrement le Oasis Tropical, c'est le meilleur. Uber Eats, qu'est-ce que j'ai pris? Un burger. Les gars, j'ai pris quoi si vous me connaissez bien? Une pizza. Je te donne un petit indice. Comment ça va, là? Comment ça va? Il fait froid, il caille, il fait froid. On est au Canada ou quoi? Poutine. Comment t'as su? Le président de la Russie, c'est Poutine, et il fait froid en Russie. Bonne poutine faite maison. Oh là là, Myriam, mais c'est quoi ce truc de fou? Alors, on va faire la bouchée parfaite, regardez. On a des oignons crispims. Des frites. Ah, tu vois, je me mets en tête que là, c'est des légumes. Ah, des légumes, ah. Comme ça, j'ai pas faim. T'en as partout. Oh non, 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 oh non. Là, tu mets ça dans un pain et tu te fais un sandwich. Mais mamam si t'as. Mais arrête de tout mélanger non plus. Là, tu vois, t'es pas en train de respecter les poutines. Je vais en faire une deuxième. Les gens qui s'appellent poutine, ils vous respectent pas. Et ça, Myriam, au Canada, les poutines doivent être exceptionnelles. Mais pourquoi t'en as sur la barbe? Parce que c'est tellement bon, on s'en met partout, les amis. C'est trop sous-côté, ça commence à rentrer dans mon top 3 des fast-food. En premier, on a pizza. En deuxième, on a burger. Et après, on a poutine. Et après, on a tacos. Moi, poutine, ça y est, c'est dans mon top 3. Et attends, Escalope. Il y avait quoi en E aussi? Il y avait. Je mangeais du E. Non, il y avait que escalope en vrai. Ça, le poulet, je mange ça tous les jours. C'est la puissance. Je vais manger de l'escalope. Tu veux quoi, toi? Les frères, vous mangez comme des chiens. Regardez, pourquoi vous mangez comme des chiens? Mais c'est normal, je suis en train de parler avec Myriam. Tu veux quoi? Tu vois ce que t'as mangé? Ah ouais? Ouais. Ok, voilà. Là, on a la lettre N. On a pris du Nesquik. Ça, personne n'achète parce que c'est trop cher. Vos mamans, elles peuvent pas, les pauvres, faut les comprendre. C'est trop cher, ça. Joue le bon, pas de moi, t'envoie une. Mais tu sais que Myriam, là, il est en train de te boire. Vas-y, joue le bon. On partage. Ouais. C'est bon. Ça, tu vois ça ce que t'as, Younes? Ouais. Et bah quand j'étais au lycée, tout le temps les gens ils en avaient à 10h à la récréation, moi j'étais grave jaloux, j'en avais jamais. Aïe. Le truc blanc là il est trop bon en dessous là. Regardez-moi ça. C'est trop bon ça. Est-ce que tes amis t'ont passé? Jamais. Waouh. Waouh. Un max de plaisir. Mais en N, on aurait pris quoi d'autre en N? En N, des nachos. Des nouilles. Pourquoi c'est léger? Les sneakers. Pourquoi c'est léger? Oh! Ouah! Il en reste que un! Myriam, à vous! À vous! Voilà pourquoi ça, il n'y en a jamais dans nos maisons, parce que ça reste même pas 5 minutes! What? Ça fait même pas 24 heures, il en reste que un! Mais Robert, c'est pas moi! Ah là, je l'ai. Regardez-moi. Ah, tu me passes un bout, moi en plus, je voulais goûter! Oh là là, le caramel! C'est le meilleur grand frère au monde si tu me passes un bout. Non, oui. un tout mini, je veux pas un gros. Ça, c'est un tout mini, ça? Non, plus petit. Oh my god.
Ça, les amis, c'est vraiment trop bon. Pas à exploser celui de Myriam. On a eu du sucré, on a eu du salé. Ah, franchement, je trouve que je me suis bien débrouillée. Hein, mais lui, franchement, la poutine, en fait, c'est ça qui a tout cassé. N'oubliez pas, ah, j'ai mal à la tête à cause de la glace. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qui a gagné entre Younes et Myriam. Mettez un like, abonnez-vous. Nous, on vous laisse là. Ciao.